Qu'est-ce que ça change concrètement si je fais ma déclaration de revenus en ligne et non pas sur papier ? En déclarant vos revenus en ligne, vous bénéficiez d'un délai supplémentaire par rapport à la déclaration papier. La date limite de dépôt varie selon le département de résidence. Pour les personnes vivant dans les départements 1 à 19, ce sera le 22 mai. Pour les départements 20 à 49, le 29 mai. Quant aux départements 50 à 976, le 5 juin. Votre déclaration en ligne est pré-remplie. Il vous suffit de vérifier vos informations personnelles et le montant de vos revenus afin de les modifier si nécessaire. Vous connaîtrez immédiatement le montant estimatif de votre impôt. Via votre espace particulier, vous pouvez imprimer l'accusé de réception de votre démarche. N'envoyez pas vos justificatifs, mais conservez-les. Si vous constatez une erreur, il est possible de modifier votre saisie jusqu'à la date butoir. Déclarer ses revenus en ligne, c'est être éco-responsable. Vous n'avez plus besoin d'affranchir un courrier ou de vous rendre dans un centre des finances publiques. Mais c'est surtout simple et sûr.